Je dis, mais comment un gars qui se forme peut galérer? C'est pas possible. Toi, tu galères un petit peu, mais tu as des résultats. Tu peux pas galérer depuis 2017. Tu vois, c'est pas possible. Tu vois. Et c'est là que j'apprends que, ouais, en fait, il appelle formation le fait de regarder des vidéos. Je lui dis, bah, c'est pour ça que tu galères. Donc là, je fais cette petite vidéo là, rapidement, parce que j'étais avec au téléphone avec quelqu'un qui était intéressé pour que je le coach. En fait, c'est toujours la même histoire qui revient, que j'entends à chaque fois. Okay? Et moi aussi, je suis passé par là, donc je vais te raconter exactement comment ça se passe. Okay? Quand tu es intéressé par le business, ce qui se passe, c'est que tu consommes énormément de vidéos sur YouTube. Okay? On est tous passés par là. Moi aussi, alors, je consommais de ouf des vidéos, je consommais de ouf des vidéos. Et j'appelais ça je me forme. Ok, je disais, ah ouais, là je suis en train de me former, je me forme et tout machin, parce que tu regardes les vidéos gratuites sur YouTube. Ok, donc après, ce qui se passe, c'est que tu consommes, tu prends, tu recueilles en fait des informations, et après tu passes à l'action avec ces informations là. Et là, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, tu as aucun résultat. Alors après, tu te dis, bon, c'est parce que je dois persévérer, il faut que j'insiste, il faut que je continue, je vais rien lâcher, etc. Tu arrives même à un stade où tu regardes plus Netflix, tu te consacres que à ça, les gens de ton entourage, tu penses que tu es un malade, mais toi tu dis non, moi je reste focus, je lâche rien du tout. Et tu continues à consommer des vidéos gratuites, etc. etc. Jusqu'au jour où, à un moment donné, bah, j'ai dit ok, je vais investir dans une formation payante pour voir ce que ça fait. Bah, après, quand j'ai investi dans une formation payante, quand j'ai vu la formation, les résultats, bah, du coup j'ai eu des résultats directs. Voilà, j'ai eu des résultats directs, ça c'était clair. Et je me suis dit, pourquoi j'ai pas investi avant? Pourquoi j'ai pas investi avant? Des fois j'ai des gens au téléphone qui étaient dans la même situation que je suis en train de te décrire depuis 2017. Le gars consomme du gratuit depuis 2017 et il fait que ça. Ça veut dire qu'il va plus en soirée, il fait plus rien, machin. Il consomme du contenu gratuit et il passe à l'action avec ce qu'il recueille comme information, mais il n'a pas de résultat. Et j'ai un scoop pour toi et pour ceux qui pensent comme ça, ou pour lui. D'accord, ben, du coup, je lui ai dit, mais la première question, c'est, ok, il me dit, ouais, je galère, je comprends pas, pourtant je me forme. J'ai dit, mais comment un gars qui se forme peut galérer? C'est pas possible. Toi, tu galères un petit peu, mais tu as des résultats, tu peux pas galérer depuis 2017. Tu vois, c'est pas possible, tu vois. Et c'est là que j'apprends que, ouais, en fait, il appelle formation le fait de regarder des vidéos. Je lui dis, bah, c'est pour ça que tu galères. Okay? Pourquoi tu galères? Parce qu'en fait, les vidéos gratuites, tu vas trouver plein de contenus, plein de conseils, etc. Mais le problème, c'est que les conseils sont dans le désordre. Tu prends des conseils de différentes personnes, à droite à gauche, tu essaies de les rassembler, mais ça ne va pas fonctionner. La difficulté que tu vas rencontrer, c'est qu'en fait, tu ne peux pas rassembler. Tu ne sauras pas comment mettre tout dans l'ordre, quelles sont les étapes à suivre, etc. Parce que ça, c'est dans une formation que tu as ça, où tu as vraiment tout détaillé de A à Z, tu vois. Et tu peux poser des questions si jamais tu as des blocages. Parce qu'il y a des fois, il y a des trucs que tu bloques, mais si jamais tu avais par exemple accès, ne serait-ce même à un groupe privé d'une formation où tu as investi pour pouvoir atteindre tes objectifs, tu as juste une question à poser et boum, le gars il peut te répondre par exemple, tu vois. Ou tu as juste un email à envoyer, un truc que toi tu vas galérer, genre peut-être. 3 mois, 4 mois à trouver une solution, alors que là, boum, avec un gars qui t'accompagne, même si c'est une formation minime, c'est pas un coaching, tu vois. Parce que le coaching, c'est vrai que c'est un peu plus élevé, forcément, tu vois. Mais au moins, t'as accès aux informations dans l'ordre, et voilà. Et là, tu te formes vraiment, et là, t'as des résultats. Donc, les gars, arrêtons de dire qu'on se forme en regardant des vidéos YouTube gratuites. T'es pas en train de te former. T'es juste en train de prendre conscience que des choses sont possibles. D'accord? Et t'as les grandes lignes pour savoir à peu près ce que tu dis. Parce que des fois, j'ai des gens au téléphone, je me dis, mais les gars, c'est déjà un professionnel en fait. Il me dit, oui, je connais des gens. Je dis, mais attends, mais si tu connais ça, tu auras déjà des résultats. Par exemple, si je prends l'exemple du dropshipping, ouais, tu sais qu'il y a Shopify, tu sais que le client il est livré comme ça, nanani, nanana. Ouais, tu connais les grandes lignes. Mais si tu n'as pas de résultats, c'est que tu ne connais pas. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tu n'es pas formé, tu vois. Donc ça, c'est ok de galérer quand tu te formes et tout. Voilà, mais si jamais ça fait 2 ans que tu es là, tu regardes des vidéos gratuites, tu te demandes pourquoi je n'ai pas réussi. Mec, là, tu es en train de faire fausse route, tu es juste en train de perdre du temps, tout ça parce que tu ne veux pas investir. Donc, tu essaies d'avoir le mindset en regardant des vidéos gratuites, mais réellement, tu n'as pas le bon mindset pour pouvoir réussir. Parce que si tu veux réussir, tu veux investir en toi, en fait. Arrêtez de me dire aussi, les gars, ouais, mais est-ce que la formation est bonne? Est-ce que ceci? Est-ce que cela? Investis en toi. Dans tous les cas, toute formation que tu vas prendre, eh ben, tu vas apprendre des choses que tu ne savais pas. Et tu vas avoir des résultats. Tu vas rentabiliser forcément ta formation, ne serait-ce même pour 2-3 tips, tu vois, 2-3 conseils. Ok? Donc, les gars, voilà pourquoi tu galères. Parce que, en fait, ce n'est pas te former, ce n'est pas regarder des vidéos gratuites.
quand tu regardes des vidéos gratuites pendant des années, tu es juste en train de prendre conscience que c'est possible. Okay? Moi, à partir du moment où j'ai investi dans une formation, ben, j'ai eu des résultats directs. Donc maintenant, j'ai compris hein, la leçon. Hein, je me suis dit, mais pourquoi je n'avais pas fait ça avant? J'ai compris la leçon. Maintenant, dès que j'ai un obstacle, je prends une formation par rapport à l'obstacle que je veux rencontrer. Okay? Comment choisir une formation en ligne? C'est une question qui m'a posée en plus. Comment choisir une formation en ligne? Choisis un gars avec qui tu as un bon feeling. Et deuxièmement, choisis la formation qui correspond à ce que tu vas attendre. Si tu veux développer ton business en ligne à travers les réseaux sociaux tels que YouTube, Instagram, eh ben, moi j'ai une formation pour ça. Voilà, c'est tout. Maintenant, tu peux regarder des vidéos gratuites toute ta vie et développer ta communauté, etc. Et c'est la développer. Et tu vas gagner. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Ou tu décides de choisir, ok, bah, j'ai un bon feeling avec Jonathan ou pas. Sinon, tu prends quelqu'un d'autre. Hein. Il y a plein d'autres gens. Hein. Tout le monde est bon. Et une formation qui t'aide par rapport à ce que tu veux faire, l'obstacle que tu rencontres actuellement. Ok les gars, donc c'est tout pour cette vidéo. Maintenant, si tu veux créer ton business en ligne, tu vois, à travers les réseaux sociaux, tu veux développer une communauté, vivre de ta passion, à Miami comme je suis aujourd'hui, arrête de regarder 50 vidéos et passe à l'action et investis en toi. Moi, je ne sais pas comment te le dire en fait. Je ne sais pas de te mettre une carotte, je ne sais pas de t'engrainer, je ne sais pas moi. C'est savoir qu'est-ce que tu veux, est-ce que tu veux vraiment t'en sortir ou pas. Tu vois, là je te fais cette vidéo parce que si je vois que c'était le même discours que j'ai, ça fait 2-3 fois que j'ai des gars qui me disent ouais je me forme en regardant des vidéos gratuites et je comprends pas pourquoi j'ai pas de résultats. Donc passez à l'action les gars. Vous avez tout en description, d'accord. T'as une formation offerte pour pouvoir créer ton business en ligne et gagner de l'argent grâce aux réseaux sociaux. C'est une formation offerte. Ok, donc là du coup, tu passes un cran quand même. C'est une formation offerte et après évidemment, c'est pour aller plus loin et aller encore plus vite, eh ben, j'ai une formation payante qui t'aide à le faire. Tu vois, c'est juste logique en fait. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars. On lâche rien. Ok. Ah ouais, pour les coachs consultants, des personnes qui ont une expertise dans la santé, dans les relations hommes-femmes, dans le business, ok, tout ce qui est marketing digital, tu sais comment créer une chaîne YouTube, tu sais pas comment créer, comment développer une chaîne YouTube, comment investir dans l'immobilier, dans le trading, donc tout ça, t'es rentable, ok. Je vais t'apprendre exactement comment créer un accompagnement qui va te permettre en fait, de générer 5 à 6 chiffres rapidement grâce à ton expertise. Ok, donc je partage tout, je suis transparent dans cette masterclass. Tu auras tous les éléments qui ont permis à mes clients d'avoir des gros résultats comme 4 à 6 000 $ en un mois, 10 en un mois, 10K en un mois, tout ce que tu veux. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On lâche rien les gars et on reste déterminés. J'ai cru que le gars il venait me voir pour me dire un truc.